a ouvert grandement ses portes pour nous accueillir, Lucien Petit, Eric Fanny. Bon après-midi. Bon après-midi à Stinson, bon après-midi à toute l'équipe de production de cette émission encore. Bon, comment ça va les entreprises de fac? Non, parce que c'est plus d'entreprises en même temps. Alors il faut le dire, s'il fallait que je me limite à dire ce nom, FAP, on va voir cela, juste ce bureau. Dans ce bureau, on fait plus de choses. Ok. Les activités de FAP en sorte, aujourd'hui, je veux dire, ça se porte plus ou moins bien. C'est vrai qu'on peut titiller la crise sanitaire pour se dire non, les choses ne fonctionnent pas bien. Au fond, les activités de FAP en sorte, elles fonctionnent à merveille pour nous. Ravi de le savoir. Est-ce que comparé à la période avant Corona et à la période Corona, il y a eu augmentation, il y a eu baisse chiffre d'affaires? Oui, c'est vrai que à la base, nous sommes une entreprise beaucoup plus de prestations de services, et nous travaillons beaucoup avec des entreprises. Donc, nous parlons plutôt des TPE. Et vous savez, la crise sanitaire a touché beaucoup de TPE. Et forcément, lorsqu'elle touche les TPE, elle nous touche essentiellement. C'est-à-dire que les finances sont réduites, principalement dans les TPE avec lesquels nous travaillons. Et quand les finances sont réduites, ou encore quand il y a une influence financière dans ces entreprises et une fausse entreprise, forcément ça nous touche. Donc la crise sanitaire a eu une influence considérable sur notre activité, ça c'est pas faux. Mais baisser, beaucoup baisser le chiffre d'affaires et tout, je crois pas vraiment. Mais le chiffre d'affaires, quand même, il a considérablement. Il a quand même connu une baisse. Ok. Petit Eric Fanny, on a envie de savoir, on a vu par le passé beaucoup de flyers annonçant des séminaires de formation. Est-ce que ça tient toujours? Oui, les ateliers de formation avec FAP en sortie, ça continue. Les ateliers de formation, nous avons beaucoup plus les activités de formation avec les ateliers. Et à côté des ateliers de formation, nous avons un événement d'incitation, de formation et d'encadrement des jeunes entrepreneurs. Et ces activités continuent même pendant la période de la crise. Nous avons eu quelques activités, certes en ligne, mais après la crise, durant la petite période, entre les deux crises, en fait, entre les deux versions, disons plutôt entre les deux versions de la crise, nous avons eu une activité, nous avons eu l'édition 3.3 que nous avons baptisé saison 3 du Forum du jeune entrepreneur engagé. Oui, nous sommes en train de préparer l'édition 3.2 qui se tiendra le 24 avril 2021, ça c'est sûr. Les ateliers de formation, nous avons des ateliers de formation, nous continuons de tenir nos ateliers de formation jusqu'ici. Et les choses se passent à merveille parce que premièrement, on doit respecter les mesures barrières, ce que nous faisons. Et deuxièmement, nous prenons toutes les dispositions pour que chaque participant soit dans le monde. Voilà, à mieux voir ce que vous étiez en train de faire, on se dit que vous aviez envie de faire le tour du Cameroun, puisque dans les précédentes éditions, nous avons vu Tchang, nous avons vu Lofsang. Est-ce que c'était ça l'intention? À la base, le Forum du jeune entrepreneur engagé, il devrait normalement parcourir premièrement le Cameroun et par la suite l'Afrique. À la base, en fait, c'était ça. Sauf que après la première année, après toute la chaîne de production de la première année, quand je parle de la chaîne de production, ce n'est pas forcément industriel. C'est les différentes étapes de la première année, c'était les 8 premières éditions de la première année ou les 8 éditions de la saison. Nous avons connu une zone de turbulence qui était la crise sanitaire. Donc, on a eu certes une deuxième saison qui démarrait, mais la crise est arrivée et nous sommes entrés en confinement. Donc, confinement certes partiel, mais il y avait restriction des activités comme celle-là. Forcément, nous n'avons pas cumulé d'activités considérables en 2020. Et c'est en 2021 que nous sommes venus avec la saison 3 du Forum du jeune entrepreneur engagé. Et il faut suffisamment de temps pour remettre à jour les activités dont nous avons pensé à la base et repenser la politique de participation, la
la politique, je ne vais dire pas de visite directement, justement, mais, oui, qu'on va passer dans plusieurs villes au Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par FA Consulting? FA Consulting, c'est un cabinet à la base de consulting, entrepreneurial. Parce que notre credo principal, c'est d'inciter d'amener plusieurs jeunes à entreprendre et les accompagner également dans cette chose entrepreneuriale. Donc, nous sommes en train de grandir progressivement avec cette logique d'entreprise et nous permettons aux entreprises de croître avec nous. Quand on dit OMS, on entend Organisation Mondiale de la Santé, FAC c'est quoi? FAC à la base, en fait, c'est vrai que je dévoile souvent pas. Oui. Mais FAC en réalité, ça veut dire, c'est la spécificité aujourd'hui. FAC ça veut dire, on appuie ça, c'est parler du nom de ma mère en fait. Ah, ok. Mais maintenant, quelles sont les différentes activités qui se pratiquent chez FAC? FAC Consulting, c'est l'encadrement entrepreneurial premièrement, l'étude de marché, l'étude de marché, business plan. Donc, mais je reviens beaucoup plus sur le branding parce qu'en fait, nous sommes rendus compte que la quasi-totalité des entreprises qui naissent en Cameroun ont des difficultés à se faire une belle image auprès des siens, et auprès des entreprises non connues. Et du coup, on s'est dit, surtout pour la question du marketing, en fait, on s'est dit qu'il est important qu'on intervienne dans ce domaine-là pour permettre aux entreprises, n'est-ce pas, de se faire une à partir de leur marketing. Parce qu'en fait, le consommateur, généralement, lorsqu'il va acheter un produit, l'élément principal qu'il achète, c'est le packaging, c'est l'emballage du produit. Donc, l'emballage, c'est un élément du branding. Donc, nous sommes là pour permettre aux entreprises, pour aider les entreprises, aider au sens premier du terme, aider les entreprises, n'est-ce pas, à construire une belle notoriété, une belle image autour de leurs produits et de leurs entreprises de manière générale. Aujourd'hui, trop engagé dans Made in Cameroun. Made in Cameroun, qu'est-ce qu'on entend par Made in Cameroun? Qu'est-ce qu'on trouve comme Made in Cameroun chez FAC Consulting? Oui, en fait, je vais d'abord dire l'engagement du promoteur du FAC Consulting, l'engagement de l'entreprise. L'engagement du promoteur du FAC Consulting parle de la logique selon laquelle beaucoup de produits en fait sont importés et à un moment parfois on a des ruptures de produits, ce qui crée des. Ce qui nous associe de manière directe ou indirecte au pays, qui nous associe sur le plan économique, qui nous associe sur le plan même alimentaire parfois. Imaginez si on nous dit aujourd'hui il y a pénurie du riz importé. Ouais. Il y a pénurie puisque les Camerounais consomment beaucoup de riz importé, ça fait que ça crée un problème au niveau de la consommation, un problème premièrement alimentaire, donc une crise alimentaire dans le secteur du riz. Et deuxièmement, ceux qui avaient l'habitude d'importer et de revendre ces produits connaissent une crise économique. Et forcément, le pays également connaîtra une chute, même si ce n'est pas assez forte, une chute en fait de son niveau économique. En fait, c'est de ça qu'il est question. Et nous nous sommes dit l'important, n'est-ce pas, qu'on pense richesse, que le jeune entrepreneur africain se dise d'ici quelques années je vais être riche. Pour être riche, n'est-ce pas, il faut développer les produits locaux, permettre à ces produits d'avoir une réelle croissance et les exporter après les avoir transformés. Est-ce qu'on peut avoir dans ce choix volet qualité? Qualité, parce qu'on dit souvent ce qu'on a importé, on ne maîtrise pas les matières qui ont été fabriquées, les matières qui ont été mises à la base pour gérer cela, on ne connaît pas les matières premières. Non, l'enjeu en fait est loin de la qualité. L'enjeu est loin de la qualité. L'enjeu est beaucoup plus, pour moi, l'enjeu est beaucoup plus alimentaire, économique, au niveau de la qualité. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, même les produits qui viennent des basses couches, il n'y a pas directement le contrôle. Ça, c'est vrai. On peut certes établir le contrôle, mais il n'y a pas directement. Le premier enjeu est beaucoup plus alimentaire.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a rupture, il y a problème au niveau de l'alimentation du citoyen lambda. Mm-hmm. Et s'il y a problème, automatiquement, l'aspect qualité vient après. Donc ça, c'est une réalité. Et deuxièmement, ce qu'on doit comprendre ou ce qu'on voudrait établir à partir de ça, c'est la richesse en fait de la couche économique africaine. Mm-hmm. C'est la richesse parce qu'il faudrait qu'en fait le jeune entrepreneur africain se fixe des objectifs et qu'il puisse atteindre ses objectifs à partir de la consommation locale. Mm-hmm. Et cette consommation locale, ça passe forcément par la promotion des étiquettes comme le Made in Cameroun ou des labels comme le Made in Cameroun, mm-hmm. des labels comme le Made in Africa et autres. Donc ça passe forcément par ça. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit le premier élément pour moi, ce n'est pas le contrôle de la qualité. Mm-hmm. Le premier élément, c'est ce que je venais tout à l'heure de citer. Et après ça, on va rentrer dans l'enjeu du contrôle de la qualité. Pour moi, en fait, c'est d'abord ça. Quand il y a production, forcément, et en fait, quand il y a production, il est fort probable que la qualité soit là. Donc, quand il y a forte production, il est fort probable que la qualité soit là. Mais le problème de l'importation, c'est que ça va nous tuer au fil du temps. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas d'économie, on n'aura même pas d'argent pour pouvoir mettre sur pied des éléments de production, des produits de qualité en fait. C'est d'abord de ça qu'il est question. C'est ça à quoi je pense. Premièrement, la qualité viendra ensuite. C'est vrai que quand on dit ça pour un Africain, on dit, il dit mais comment est-ce que quelqu'un peut être aussi cruel? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'abord d'établir les bases économiques, alimentaires et ensuite on fera le reste. Combien de jeunes on retrouve chez FAC Consulting? Il y a combien d'employés déjà? On peut savoir. De manière stable, FAC Consulting a besoin de 5 employés. 5 employés. Avec le promoteur, ça fait 6. Parce que moi, je considère également comme employé de FAC Consulting. Donc, pour le moment, c'est ça. Ça, c'est pour FAC Consulting. Mais les salaires ne souffrent de rien. Exclusivement. A dit que les salaires ne souffrent de rien. Je vois que sur cette question, on réfléchit toujours avant de reprendre. N'importe quel entrepreneur africain doit toujours répondre avant de réfléchir, avant de répondre. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit? Parce qu'en fait, le salaire ne précède pas le travail. Le travail précède le salaire. Mm-hmm. Et s'il n'y a pas de travail, il y aura difficulté à payer les employés. Ça, c'est automatique. Donc, disons-nous ça. S'il n'y a pas de salaire, s'il n'y a pas de travail, il y aura difficulté à payer les employés. Automatiquement. Donc, si on dit avec garantie que les salaires ne souffrent de rien et que demain il y a crise, on fait comment? On sera en train de jouer. Je dis, ici les salaires sont pas payés, le bailleur va comprendre qu'il y a des soucis au niveau du travail. Le bailleur, par exemple, va comprendre qu'il y a des soucis au niveau du travail. Donc, la réalité, c'est que le bailleur va comprendre. Moi, j'ai parlé tout à l'heure des salaires. Donc, je parle spécifiquement des salaires. Et pour les bailleurs, en fait, c'est autre chose parce qu'il y a plus ou moins deux activités, deux règles qui encadrent cette activité. Donc, automatiquement, on ne réfléchit pas. Mais, quoi qu'on dise, le travail précède le salaire. N'importe comment. Les salaires, c'est une question sur laquelle on doit certainement réfléchir. Bon, le jour, on a avec combien d'entreprises avec qui on traite? Parce que je pense que c'est prestation de services en même temps. On peut avoir Oui, stable, je voulais dire. C'était les entreprises avec lesquelles on traite de nous. Même dit vaguement comme ça, 60, 50, 150. Dit vaguement comme ça, les entreprises avec lesquelles on disons ça va. c'est 26 entreprises avec lesquelles. C'est 6 TPE. Parce que moi j'aime généralement parler des TPE. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle généralement des TPE. Je ne parle pas trop des entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises et autres. Parce que je crois que au Cameroun, nous sommes beaucoup plus dans la logique des TPE. Nous sommes beaucoup plus les TPE. Après les TPE, on va grandir aux petites entreprises, on va grandir à telle petite entreprise et finalement arriver aux moyennes et aux grandes entreprises. En fait, c'est ça. Parce que je crois que nous sommes encore au niveau basique. Pour les entreprises, la quasi-totalité en fait des entreprises camerounaises, c'est ça. Nous sommes au niveau basique, donc au niveau des très petites entreprises. Nous avons beaucoup de TPE avec lesquels nous travaillons. Donc on est à 26.
Maintenant, attends, on a le vêtement, on voit Y, là-bas on voit Y. C'est quoi le Y? Y, c'est Young City. Young City. Young City, c'est Y. C'est-à-dire qu'il y a un investimentaire, une investimentaire, vous l'avez dit, une investimentaire qui se confine à l'horizon ou qui est déjà pratiquée. Oui, il y a une investimentaire pour laquelle je suis modèle. Mm-hmm. Je suis modèle photo pour cette. Modèle photo essentiellement. Je suis modèle photo et ambassadeur de cette. La personne a créé sa ligne vestimentaire. Parmi tous les hommes, tous les gars chauds de Douala, on a vu que le Thierry Fanny. Donc je crois que. C'est sa relation de proximité. Non, là j'étais venu sur le Thierry Fanny, sur le Thierry Fanny. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais pas dire que je fais essentiellement plus d'événements que tous les autres. Mmh. Non, c'est que j'ai quand même des activités que je mène au quotidien qui sont des pôles d'attraction des jeunes, mmh, ou encore des personnes qui peuvent porter cette idée. Donc j'ai des conférences que je tiens au quotidien. Mmh. J'ai des forums que j'organise, des séminaires, des ateliers de formation constamment. Mmh. Et je me dis également que c'est parce que le promoteur a vu mon amour pour le pays du Cameroun et mon amour pour les dénués à friture. Mmh. Parce qu'en fait, ce que je dois dire, c'est que ça fait 4 ans aujourd'hui. Mes sorties, c'est beaucoup plus avec les tout à fait. Les tenues made in Cameroun. Je peux dire 90% de mes tenues aujourd'hui, 95-97%, même il faut le dire, de mes tenues, mes sorties aujourd'hui, ce sont les tenues habituelles. Donc je veux dire que la personne est partie également de cet engagement pour le made in Cameroun, pour la culture. Voilà, je vois différentes sortes de produits là-bas. Café com, je vois savon à Vigène, tout ça. Oui. C'est toujours made in fab. À Vigène, c'est un produit made in fab consorti. Calais biscuit, c'est un produit made in fab consorti. Mais café com, c'est un produit made in fab consorti. C'est ce qu'on dit. Ils font exclusivement du café détergent. Donc ça fait plus ou moins. J'ai souvent suivi de l'eau de Javel. Oui, Bovial Clean. Mm-hmm. Bovial également, c'est une entreprise avec qui on travaille depuis son lancement. Donc disons, c'est une entreprise de Mélanie Van Consentier. Mm-hmm. Parce qu'on travaille avec elle. Maintenant, s'il fallait résumer vraiment les made in fab consulting, citer quoi pour résumer? Résumer les made in fab consulting, citer exclusivement les entreprises made in fab consulting. Peut-être qu'il faudrait que je trouve mon agenda. Il faut y aller, c'est important, oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille à l'encontre du YouTube sur place. C'est important pour nous, téléspectateurs qui nous regardent. Et il faudrait qu'ils sachent qu'en venant par exemple sur fab consulting, nous aurons presque tout sur place. Oui, en fait, ce que je dis généralement, c'est nous avons une plateforme qui est comme un incubateur. Mm-hmm. Et c'est à partir de cette plateforme que nous comptons beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous travaillons pour l'accompagnement. Mm-hmm. Cette plateforme, c'est le forum du jeune entrepreneur. Comme je disais tout à l'heure, dans la prochaine édition, c'est le 24 avril 2021. Mm-hmm. En fait, à l'intérieur du forum, ce sont toutes ces personnes qui font véritablement notre incubateur, parce que au sein du forum, il y a le phénomène aisé d'entraide. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à la base, en fait, quelqu'un peut avoir son produit qui est précédemment et il trouve quelqu'un d'autre pour lui apporter ses produits. Quelqu'un peut avoir besoin d'un branding particulier et on s'occupe de son branding. En fait, à la base, c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle je voudrais que je prenne l'argent. Non, il faudrait se diriger au forum pour jeunes entrepreneurs. C'est important de se renseigner de ce côté pour avoir toutes les prestations de faire consulter. Maintenant, quels sont les ateliers à venir, futurs, ou encore les projets les plus proches de faire? Nous avons le forum du jeune entrepreneur, c'est l'activité imminente.
le forum Dijon. Les dates sont connues. Le 24 avril. Le 24 avril. Après le 24 avril, nous avons le programme national de formation. C'est la production de la transformation des métiers. La transformation des farines sans gluten en biscuits. Oui. Donc cet atelier, on aimerait savoir, est-ce que à côté de la phase théorique qui est faite dans les salles, il y a la phase véritablement pratique et la chose. En principe, un événement comme un atelier comme celui de la transformation des farines en biscuits, donc pâtisserie et biscuits, c'est un atelier 80% pratique, 20%. Parce qu'en fait, les phases aussi. C'est 80% pratique et 20% technique. C'est-à-dire qu'on va montrer avec les outils qu'il faut, les produits qu'il faut, comment est-ce que quelqu'un peut partir d'une farine, disons les tubercules, ou atteindre le biscuit. Comment est-ce qu'il procède. C'est vrai qu'il y a la partie minoterie, qu'il y a une partie intermédiaire entre les tubercules, ou encore les crèmes et le biscuit, le produit fini. Mais on peut montrer la première partie de manière superficielle, la deuxième partie en entrant en profondeur. Donc c'est un atelier de formation essentiellement, et en fait 80% pratique. Parce qu'il faut qu'on montre essentiellement aux participants comment est-ce qu'ils vont procéder. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la transformation de l'être. Transformer l'être, c'est amener à comprendre une ou deux activités qui vont nous permettre de gagner d'argent, mettre sa réelle entreprise en sécurité et plus tard devenir riche. Première édition, troisième édition, nous sommes à 3 ans par là. Est-ce qu'on peut pointer 1, 2, 3, 4 personnes disant voilà un jeune qui était perdu, que le forum du jeune entrepreneur a encore donné espoir de vivre, voilà dans quelle activité il excelle aujourd'hui, voilà il est autonome. Est-ce qu'on peut avoir pas entièrement perdu, mais aujourd'hui nous avons plusieurs jeunes. Je vais commencer par citer M. Georges Tchernéfou. Aujourd'hui, il élève à la base, il était quand on démarrait ses activités, il était employé complètement. Mais quand on dit employé, moi je dis employé, c'est un perdu. S'il faut être dans votre siège d'entrepreneuriat. Non, on n'a jamais dit ça. Un employé, c'est un esclave pour vous. D'après ce que vous dites. Non, ça n'a jamais été ça. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer en fait que vous puissiez comprendre. Contrairement aux autres, je sais que ceux qui croient que la chaîne se comporte. Il n'y a pas d'entrepreneur sans emploi. Donc dit qu'on s'arrête exclusivement aux entrepreneurs, on s'arrête la seule frette. Quand je dis en fait qu'il était exclusivement employé, c'est pas pour dire qu'il était dans un espace plus ou moins négatif. Elle est qu'il n'était qu'employé. Aujourd'hui, en plus d'être employé quelque part, il fait ou il mène telle activité précisément. Parce que. Donc il n'a pas abandonné son côté d'employé. Non. Il reste employé aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait du chiffre dans son activité secondaire. Donc il emploie les gens dans son activité. Est-ce que dans son on doit pouvoir avoir le même rendement de travail? Est-ce qu'on peut avoir le même rendement de travail? Oui, rendement, parce que si par exemple je suis employé pour être, je ne sais pas, secrétaire à la direction, et qu'il m'arrive aussi d'avoir mon activité personnelle que je mène, par exemple, si pas que j'ai à chaque fois vérifié si mes poulets sont à place, j'ai vérifié si tout va bien. Ça, c'est une question très pertinente. Vous voyez, les grands entrepreneurs sont généralement des consultants dans les entreprises. Généralement. C'est-à-dire que sur 10 entrepreneurs, vous allez rencontrer 8 qui sont, en plus d'être employés dans leurs entreprises propres, ils sont consultants dans d'autres entreprises. Vous croyez que cela ne produise pas du rendement, du réel rendement dans les entreprises où ils sont consultants ou encore dans leurs propres entreprises? C'est complètement différent. Tout dépend à la base de l'organisation qu'on se fait. C'est vrai que quand on parle d'organisation, dans la pratique, on voit autre chose. Mais la réalité, c'est que la base de tout cela, c'est l'organisation. Je veux dire, je m'organise comment
puisque j'ai 12 heures de temps, par exemple, par jour, que partant de 6 heures à 18 heures, j'ai 12 heures de temps par jour. En dehors de ces 12 heures de temps, je peux grignoter combien d'heures après. C'est-à-dire que mon temps de travail ordinaire, c'est de 6 heures à 18 heures. À côté de 6 heures à 18 heures, je peux prendre combien dans l'année? Ouais. Je peux par exemple avoir 4 heures de temps dans la nuit, c'est-à-dire que de 18h à 22h, je peux continuer de travailler. Là maintenant, vous organisez, vous savez que de 8h à 16h, je suis dans l'entreprise où je travaille. De 16h à 17h30, je me repose. De 17h30 à 22h, je suis au travail. Ouais. Tout dépend à la base de l'organisation que vous faites. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous garantir, je suis consultant dans 3 ans. Essentiellement, je suis consultant mondial. Je suis consultant dans 3 entreprises essentiellement. Pourquoi donner de son nom et de son nom dans le nom? Oui, je préfère ne pas donner. C'est quand même compliqué. Vous savez pourquoi est-ce que je peux ne pas donner de troisième nom? C'est aussi vrai. Donc, et dans ces entreprises, je donne le meilleur de moi pour qu'elles puissent avancer. Et que je peux choisir, par exemple, de travailler avec elles. Quand je peux choisir de travailler par mes heures de pension. La réalité, c'est que le plus important, c'est la stratégie de travail. Le rendement peut même parfois être plus intéressant dans l'entreprise où on travaille, où on est salarié, que dans où on est salarié principal, que dans l'entreprise qu'on est en train de mettre sur pied. Ou encore, on peut être plus productif désormais dans notre entreprise première. Parce qu'en fait, on comprend certains enjeux qu'étant simplement employé, on ne comprenait pas à la base. Parce que ce que je dis généralement, c'est que l'employeur ordinaire, comme moi-même, il pense beaucoup plus à son salaire à la base. Maintenant, il faut intégrer certaines activités pour comprendre qu'en fait, à côté du salaire, il y a des éléments qui peuvent s'y associer, qui peuvent s'accumuler. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui fait des montages, qui se frotte naturellement dans l'entrepreneuriat, quand il doit utiliser un produit de son entreprise, en fait l'entreprise dans laquelle il a été salarié, il prend du soin de bien l'utiliser parce qu'il comprend forcément comment est-ce que la chaîne se passe, qu'est-ce que son employeur fait, quels sont les défis à relever, parce qu'il a eu l'expérience en termes de création de richesse dans sa propre activité. Donc, c'est vrai, aujourd'hui on entend Fab Consulting, on entend Forum du jeune entrepreneur. Est-ce qu'on est parti de Bamingui avec cette idée? Il faut déjà dire que Bamingui, c'est mon village. Non, il fallait faire cette précision. Bon, c'est important de le dire. Oui, quand je dis parti de Bamingui avec cette idée, on va comprendre que c'est là que tout commence. Oui, parti de Bamingui, c'est mon village natal. Mm-hmm. Oui. Parti de là avec cette idée. Non, je suis parti de là avec l'idée de me faire former, devenir quelqu'un plus tard, parce qu'en fait c'est la logique standard pour presque tous les jeunes, me faire former, devenir quelqu'un, en devenir employé. Je suis passé par l'université de Kikin, l'université de Chang, l'Institut supérieur polytechnique. Et donc je me suis retrouvé à Douala, après Kribi, je me suis retrouvé à Douala. À la base en fait, la première structure que j'ai mise sur pied, c'était en 2014. La toute première structure que j'avais mis sur pied, c'était en 2014, l'établissement PED. Les frères PED voulait dire Petit Eric Décor et Frères. C'est la toute première entreprise en fait que j'ai mis sur pied. Les choses n'ont pas fonctionné comme moi, je voulais, parce qu'à l'époque j'étais en même temps étudiant. Donc les choses n'ont pas réellement fonctionné comme je voulais. On a fermé les portes, donc j'ai fermé. Il n'y a pas trop de moyens de la politique. Oui, c'est avec qui je bossais. Et je suis revenu dans ce couloir en fin de l'année 2017. Donc j'ai repris les activités. Mais j'ai repris à cette époque avec PEF Communication. Donc au Carrefour, à Gips, c'était le retour. Je suis en train de raconter maintenant ce qui s'est passé. Je suis revenu en 2017. En fait, en 2016 d'abord, parce que la Dev Communication ne naît pas à toi. Dev Communication en réalité naît à l'ouest du Cameroun, dans le département de la Mine.
avant d'être transporté pour contrôle. À la base, en fait, on a mis PEF Communication dans le département de la mémoire. À la base, PEF Communication, c'était beaucoup plus un institut de formation en métier secondaire, métier ordinaire. Quand je dis métier secondaire, ça peut être lié avec les sensibilités. Donc c'était un institut, mais les difficultés d'obtention d'arguments fait qu'on s'est complètement limité à la production des secondes de communication. Donc, PEF Communication, après donc être transporté, elle est venue une structure de production des supports de communication exclusivement. Ouais. Donc c'est après qu'on pense également à consentir les projets, les micros entreprises, mais la réalité c'est que toutes ces entreprises comme tu elles existent dans très bonne condition. Ce que beaucoup se posent comme question en nous regardant, c'est de savoir où est-ce qu'on a pris les fonds pour ça. C'est maman qui a collectionné l'argent qui était le passé destiné à l'argent des beignets et tout, pour donner pour l'ouverture de l'entreprise. Est-ce que c'est le soutien des amis? Est-ce le soutien d'une élite de chez nous? Est-ce le soutien... On se pose la question, comment un jeune a pu mettre ce qui est une grosse entreprise comme ça? Oui, d'autres vous diront non, c'est le travail encore. C'est le travail encore, le travail. Mais je veux dire, l'élément primordial, c'est la stratégie. C'est que PEF Communication qui a été créé à l'Ouest du Cameroun, les fonds sont venus à 70%, il faut le dire, à près de 70% de M. Tatinko Arisej. C'était le directeur de l'institut dans lequel j'ai fait mon communication réseau. C'est un directeur, c'est un monsieur qui me met bien, très bien. Donc quand je lui ai parlé du projet, là, c'est un projet à l'avancée. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme on veut, pas comme on veut que je le transporte. Ça nécessitait plus de moyens que à la base. Donc, mais maintenant, comment est-ce qu'on a pu obtenir les moyens? Parce que quand ça n'a pas fonctionné, lui n'était plus par rapport. Mais quand ça n'a pas fonctionné, comme notre logique pourrait souhaiter, il n'était plus par rapport. Où il a été important, n'est-ce pas, de venir à toi, de mettre un truc sur qui mettre une activité comme ça dans ce pied. Les moyens sont venus de. Mais vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit à l'ancien monsieur qui a misé à 70% que pour être entrepreneur, il faut échouer avant de réussir. La réalité, c'est que moi-même, je ne savais pas encore véritablement ça. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait. On savait qu'on met 100 000 et ça produit. On savait que oui, si on met 100 000 francs dans une affaire, il faut que les 100 000 au bout de 6 mois puissent se produire tel montant. En fait, à partir des éléments prévisibles qu'on avait. Souvent, on met 150 000 pour les 12 de ces. Donc, les choses ne marchent pas forcément comme on le souhaite. Et bien après, il faut. Bon, on comptait au niveau de moi là. Quand ça n'a pas fonctionné, il a fallu que je vienne à toi là. Donc, j'ai quand même eu une pause en fait. La pause a permis de collectionner les fonds. J'ai eu une pause. Ma pause a été dans la ville de Crémy. Donc, c'était ce que je considère pour moi personnellement comme étant un temps d'amusement, de distraction. C'était pas trop. De guide touristique en même temps. Donc, on dit que les personnes qui venaient. Il fallait guider pour avancer un peu l'argent. Ouais, bon, pas forcément. Pas forcément dans cette logique. Quand je dis une année de blague, de distraction, de repos, c'est parce que j'avais pas les activités de ta main dans ce que je menais pendant ces deux jours. Ce qu'il faut dire, c'est que si vous parlez en termes plus ou moins techniques, j'étais convoyé d'un tricycle. Ouais. À l'époque, j'ai passé quelques temps là-bas et j'ai eu un chantier de peinture bâtiment parce que je faisais également dans la peinture bâtiment. J'ai eu un chantier de peinture bâtiment où j'ai réalisé avec quelques amis, mes amis qui sont venus me voir là et de chambre. On a réalisé le chantier, ça m'a permis personnellement de gagner un peu de fonds.
c'était pas vraiment ça en fait. Et il fallait encore réfléchir sur comment est-ce qu'on va trouver les moyens pour pouvoir lancer une activité comme le Pet Communication. Surtout que vous voyez dans une ville comme Douala, ça ne rigole pas. Et il a bien fallu que je réfléchisse sur comment est-ce que avec un autre ami, comment est-ce que je pouvais gagner de l'argent pour le téléphone pour pouvoir lancer Pet Communication. Alors, pendant la période du 1er mai, j'étais déjà à Douala. Donc, puisque j'étais en même temps si grave, quand d'un coup, en fait, sur le plan de la communication, pas de la production des supports, les supports, c'est un département de la production des supports de communication. J'étais si grave, j'ai eu pas beaucoup de marchés, mais j'ai quand même eu quelques marchés qui m'ont permis de gagner un peu d'argent pendant cette période. Et avec cet argent, il faut être que j'ai lancé. Deux ou trois années, il faut quand même être sincère quand même. Il ne faut pas dire non, j'ai vendu un plateau d'argent. Je me suis retrouvé. C'est vrai que la stratégie, elle est bonne. Parce qu'en fait, la notion d'épargne, elle est très capitale dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour réussir en entrepreneuriat, en fait, il faut penser à l'épargne. Je n'aurais pas eu les moyens pour prospecter les personnes qui m'ont donné ce marché. Quelqu'un va me demander, on est parti de rien comme ça pour te faire confiance. Ça, c'est une question qui peut revenir à n'importe quel moment. Donc, on est parti de rien comme ça pour te faire confiance et te donner un marché. Non, c'est pas parti de rien. La réalité, c'est que lorsque vous êtes en train de démarrer un entrepreneur, vous pouvez prendre un peu sur les personnes qui sont autour de vous. Et lorsque vous prenez un peu sur les personnes qui sont autour de vous, sont des personnes, si vous inspirez confiance, automatiquement vous faire confiance. Tout à fait. Si vous n'inspirez pas confiance, on va vous mettre à côté. Voilà, inspirer confiance, c'est présenter non pas seulement le visage, mais présenter une personne qui est capable, premièrement, de réaliser normalement le marché dans les délais. Donc, ce que j'appelle généralement le grandir de soi. Vous devez construire un bon grandir autour de votre personne, donc du personnel grandir autour de votre personne et gagner des marchés avec des marchés que vous réalisez dans de très bonnes conditions. Parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais j'avais un peu d'expérience dans le domaine de la production des supports de communication. Parce qu'en fait, j'ai commencé cette activité en 2007, et en 2009, j'ai rapidement été inscrit premièrement à l'OPON chez un grand frère, je me rappelle très bien, Zadie Nicole, il était au Carrefour à l'OPON. Et bien après, je me suis retrouvé à l'OPON parce qu'en fait, les activités menées par Zadie Nicole n'étaient pas véritablement ma logique et ma passion. Donc, il était beaucoup plus sur portraitiste. Et moi, je n'avais pas de logique de portraitiste, j'avais une logique de sérigraphe. Je me suis retrouvé comme ça, puisque j'avais eu un petit marché. Quand j'ai présenté le marché à Zadie, il n'était pas d'accord. Il a dit non, il faut aller le réaliser ailleurs. J'étais à l'entrée des Pandas un matin. J'ai rencontré un monsieur là-bas, il s'appelle Junior Dupont. En fait, son nom d'artiste, c'est Junior Dupont. Je l'ai rencontré, il m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc ce jour, il m'a rapidement donné les frais de transport, me disant, bon, demain matin, tu me trouves au bureau, tu as marché, tu réalises ton marché chez moi, et on va voir là-dessus comment tu pourras travailler, je vais te payer. Quand on arrive, en fait, quand j'arrive le lendemain matin, on discute, c'était en 2009, je crois, on discute et je lui dis clairement, je ne suis pas très fort, donc ce dont j'ai besoin, c'est la formation. À cette époque, au départ, comme il avait dit, le matin quand je suis arrivé, il m'a proposé naturellement le salaire. Le salaire, c'était compté à 3 000 francs par jour. Donc, ça devait être 18 000 par semaine et 54 000, je crois, par mois. Je me rappelle très bien du chiffre. Mais ce que je lui ai clairement dit, c'était, je ne connais pas. Donc, quand j'arrive là, c'est pas grand. Il a dit, c'est très intéressant. Quand un jeune est assez honnête envers lui-même comme ça. Oui, donc je te propose de sortir tous les matins, venir travailler comme si tu connaissais. Donc,
je vais te confier les tâches, tu vas très bien travailler, on va évoluer progressivement, mais je vais devoir te donner un crédit parce que pendant les vacances. Cette année, j'ai fait l'année qui suivait un moment maintenant et je pouvais partir de ma ville d'études pour Douala pendant les congés de Noël, pendant les congés de Pâques, les grandes vacances, venir apprendre et réaliser en même temps. Il y avait des moments où il pouvait me confier l'atelier pendant un mois, il y a des activités un peu intenses en milieu, là, des chantiers de peinture bâtiment, parce que lui, il faisait la peinture bâtiment. Il y a des chantiers de peinture bâtiment, il me confie l'atelier, il me confie l'entreprise en fait, que je reste gérer pendant toute cette période. Ça m'a permis d'acquérir une bonne expérience. Vous savez, vous arrivez dans une entreprise, vous dites, non, il faut que quelqu'un me guide automatiquement. Et à peine vous êtes arrivé, on commence à vous confier des responsabilités, ça vous dit, vous devez automatiquement apprendre pour satisfaire les clients. Parce que si vous ne faites pas d'efforts à satisfaire les clients, l'entreprise va devoir fermer les portes. Et si l'entreprise ferme les portes, c'est vous qui payez. Oui, naturellement. Vous n'allez plus apprendre. Et votre patron également, il aura un regard négatif sur votre personne. Moi, j'étais obligé de fournir des efforts au maximum possible. Bon, ce qui fait que mes frais de transport qui étaient ainsi considérés, je les utilisais parfois pour sortir, pour acheter des supports, faire des expérimentations au quotidien. Donc c'était en fait ça. Bon, maintenant, on a compris la partie des chèques qu'il y a eu à Tchang. Est-ce que ça fait pas, c'est la plus, je vais dire quoi, le plus gros chèque que tu as eu? Le plus gros échec. Est-ce que tu n'as pas encore eu un bon de commande de t-shirt par exemple, tu sors le t-shirt et le client ne fait plus appel, ne s'intéresse plus à ça? C'était pas en fait la mauvaise expérience. Parce que j'ai eu, après même le lancement de Pair Communication, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai eu des expériences plus ou moins froides. Dans le domaine entrepreneurial, en fait, c'est ça. Il faut être prêt à certaines opportunités, à certaines difficultés. Donc, c'est vrai qu'on. On ne doit pas vivre en ne pensant aux difficultés. L'échec cuisant, c'est lequel? C'est important, il faudrait qu'on le sache aussi. Ok, je reçois un bon de commande. Mm-hmm. Le bon de commande, c'était pour la production des supports de communication, les supports directement, les carnets. Mm-hmm. Les carnets de dépôt, le bon de commande, c'était 1 600 000. Je contacte donc une entreprise pour me fournir du matériel, pour pouvoir accomplir l'activité. Malheureusement, l'entreprise ne répond pas. En fait, elle répond favorablement du pareil. Mais dès que j'ai fait le versement, c'est tout autre chose. Et c'était quelqu'un avec qui j'avais l'habitude, pas beaucoup plus de blagues, mais c'était quelqu'un que je contactais constamment. Et quand le gars a pris l'argent, il n'a pas fait ce qu'il fallait, on a dépassé le délai, il fallait un peu plus, etc. Lui n'était pas très ouvert avec l'argent. Ouais, c'est parfois compliqué. Je vous explique en gros ce qui s'est passé avec sa prestation. C'était pas, en fait, c'est pas extrême pour dire les frais de prestation n'étaient pas extrêmes. C'était 1 625 000. Et c'était en fait compliqué parce que vous voyez, un client qui vous donne un marché, en fait, il me donnait régulièrement des marchés. Je vois le client que je vais mettre, je vois la bavure, l'image de l'entreprise, en fait, un certain nombre d'éléments qui poussaient à discréditer mon entreprise. Je suis quelqu'un, j'adore en fait aspirer à la perfection. Et quand je vois un truc comme celui-là, je suis très mal à l'aise. Je vous assure, j'ai fait près de deux semaines, voire trois mois. J'étais très très stressé, peut-être même malade sans pouvoir, sans évidemment identifier la maladie. J'ai fait jusqu'à l'hôpital deux fois pendant cette période. Mais malheureusement, on n'a pas diagnostiqué maladie réelle. Et c'est un de ces quatre matins quand je vais au rendez-vous avec le médecin qui me suivait, qui me pose la question, mais si vous faites quoi dans la vie? Fait rien de bon, j'ai pas l'air de blaguer. Elle dit non, c'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que vous gérez les équipes? J'ai dit oui, j'ai une équipe que je gère, je suis promoteur, je suis une entreprise,
vous travaillez comment? Est-ce que vous travaillez intensément? Est-ce que vous mettez en colère? Est-ce que en cette période, vous traversez une difficulté? Je l'ai pris comme il faut faire. Et j'ai dit, oui, j'ai une difficulté, j'ai un problème comme ça, et tu ne fais pas trop. Donc j'ai raconté le problème, il ne faut pas trop stresser. Vous risquez de perdre votre vie comme ça, causer une petite difficulté comme celle-là. En fait, je comprends. Le vrai problème, c'est que comme j'adore, en fait, j'aspire véritablement à la révolution. J'aime quand mon travail est bien fait, je n'ai pas de difficulté avec mon client. Parce qu'en fait, je me dis, un client satisfait, c'est plusieurs autres qui l'ont perdu. Un client perdu, c'est plusieurs autres qui l'intoxiquent, qui ne viendront jamais, qui ne passeront jamais. Parce que quand quelqu'un va passer au un support de communication, je veux que le support soit bien ou mal fait. Quand vous avez fait ce support, automatiquement, s'il considère que c'est mal fait ou vous avez eu un problème, il ne va pas convaincre le client, le prospect, le futur client, arrive, le potentiel client arrive chez vous. Il va l'intoxiquer. Il va lui décourager. Il va lui prendre le problème. Parce que mon vrai problème, c'était ça. Donc, c'est ma plus grosse déception. C'est vrai qu'à côté, il y a eu plusieurs autres. Comme ça, mais j'étais déjà un peu fort. Un peu rodé. C'était déjà un peu fort, donc... Mental d'acier. Bon, nous sommes presque parvenus au thème de l'émission. Qu'est-ce qu'on va dire pour sortir? Est-ce qu'il y a des personnes à remercier depuis le début jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des invitations? C'est la caméra qui parle maintenant, c'est plus moi. Oui, est-ce qu'il y a des personnes à remercier? Je remercie en fait tous ceux qui soutiennent les projets qui sont autour de moi, tous ceux qui me font confiance. Je commence d'abord par moi, tous ceux qui me font confiance et tous ceux qui font confiance à l'une ou plusieurs de mes entreprises. Donc je dis merci à tout cela. Je dis également merci de manière personnelle aux gens comme Hutchinson pour l'investissement de cette émission, Laurent et Gould. Oui, je dis merci à l'ensemble des personnes qui travaillent de manière professionnelle, qui travaillent jour au quotidien pour que la valeur met le Cameroun, pour que l'élément met le Cameroun, pour que le label met le Cameroun, ça tourne toujours. J'invite donc tous les téléspectateurs, j'invite tous les téléspectateurs à l'édition 3.0 du Forum du jeune entrepreneur engagé qui se tiendra le 24 avril 2021 à l'hôtel Vano Palace à Aboua en face de Sénégal. J'invite tout le monde là-bas pour le 24 avril à partir de 10h. On va parler de la question du financement, des projets d'entreprise, comme tout à l'heure on parlait du financement, comment est-ce que tu as obtenu ton financement, qu'est-ce que tu as fait, on a des personnes assez calées comme le responsable, le promoteur de Foucault, monsieur Raoul Zoumo, qui se m'a répondu, c'est un gars très intéressant, c'est un monsieur très intéressant pour la question du financement des projets, des gros projets d'entreprise. On aura les canets Kate, les canets c'est la promotrice des biscuits Cali. On aura Yann, Paul Yann, qui est le promoteur de la Diva Academy. C'est une école de la foi. Il va tenir sur la question du projet pour gagner la confiance dans son travail pour bénéficier d'un financement. Il faut y aller, c'est important parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille ailleurs. C'est important pour nous, téléspectateurs qui nous regardent. Et il faudrait qu'ils sachent qu'en venant par exemple sur Fab Consulting, nous aurons presque tout sur place. En fait, ce que je dis généralement, c'est que nous avons une plateforme qui est comme un incubateur. Et c'est à partir de cette plateforme que nous comptons beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous travaillons pour l'accompagner. En plus, cette plateforme, c'est le Forum du jeune entrepreneur. En fait, à l'intérieur du Forum du jeune entrepreneur engagé, on retrouve beaucoup de producteurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup de commerciaux, beaucoup de marketistes. Mais ce sont toutes ces personnes qui font véritablement notre incubateur. Parce qu'au sein du Forum, il y a le phénomène aisé d'entraide. Ça veut dire qu'à la base, en fait, quelqu'un peut avoir son produit, il voudrait simplement commencer.
peut trouver quelqu'un de repos et d'abandonner sa nécessité. Quelqu'un peut avoir besoin d'un parti particulier et on s'occupe de son parti. En fait, à la base, c'est ce qui se passe avec les créateurs. Ok. Bon, c'est ça la vision, c'est la raison pour laquelle j'ai des livres très que je prenne l'agenda. Non, il faudrait se diriger au forum que je n'entends pas. C'est important de se renseigner de ce côté pour voir toutes les prestations, de faire consulter. Maintenant, quels sont les ateliers à venir, futurs, ou encore les projets les plus proches de FAP? Nous avons le forum du jeune entrepreneur, c'est l'activité imminente. Le forum du jeune entrepreneur. Les dates sont connues. Le 24 avril. Le 24 avril. Après le 24 avril, nous avons commencé un atelier de formation. La transformation des métiers, la transformation des farines sans gluten en biscuits. Oui. Donc cet atelier, c'est un mois de mai, en début de mois de mai. On va d'attendre un mois la communiquer maintenant. On aimerait savoir, est-ce que à côté de la phase théorique qui est faite dans les salles, il y a la phase véritablement pratique et la chose. En principe, un événement comme un atelier comme celui de la transformation des farines sans gluten en biscuits, donc pâtisserie et biscuits, c'est un atelier 80% pratique pour les filles. Parce qu'en fait, il faut associer pratique et théorie pour faciliter la compréhension. Donc c'est 80% pratique et 20% théorie. C'est-à-dire qu'on va montrer avec les outils qu'il faut, les produits qu'il faut, comment est-ce que quelqu'un peut partir d'une farine, disons même les tubercules, pour atteindre le biscuit. Comment est-ce qu'il procède? C'est vrai qu'il y a la partie minoterie, qui est une partie intermédiaire entre les tubercules ou encore les crèmes et le biscuit, le produit fini. Mais on peut montrer la première partie de manière superficielle, la deuxième partie en entrant en forme. Donc c'est un atelier de formation essentiellement, et en fait 80% pratique. Parce qu'il faut qu'on montre essentiellement aux participants comment est-ce qu'ils vont procéder. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la transformation de l'être. Transformer l'être, ça va amener à comprendre une ou deux activités qui vont nous permettre de gagner un peu d'argent, de mettre sa réelle entreprise sur pied et plus tard de devenir riche. Première édition, troisième édition, nous sommes à 3 ans par là. Est-ce qu'on peut pointer 1, 2, 3, 4 personnes disant voilà un jeune qui était perdu, que le forum du jeune entrepreneur a encore espoir de vivre, voilà dans quelle activité il excelle aujourd'hui, voilà il est autonome. Est-ce qu'on peut pas entièrement perdu, mais aujourd'hui nous avons plusieurs jeunes. Je vais commencer par citer monsieur Georges Tchernéfou. Aujourd'hui il élève, à la base il était quand on démarrait ses activités, il était employé complètement. Mais quand on dit employé, moi je dis employé, c'est un perdu. S'il faut être dans votre siège d'entrepreneuriat, non, un employé, c'est un esclave, vous. D'après ce que vous dites. Non, ça jamais été ça. Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous puissiez comprendre. Contrairement aux autres, je sais ceux qui croient que la chaîne se comporte. Il n'y a pas d'entrepreneur sans emploi. Donc, dit qu'on s'arrête exclusivement aux entrepreneurs, on s'arrête la seule frette. Quand je dis en fait il était exclusivement employé, c'est pas pour dire qu'il était dans un espace plus ou moins négatif. Elle dit qu'il n'était qu'employé. Aujourd'hui, en plus d'être employé quelque part, il fait ou il mène telle activité précise. Parce que. Donc il n'a pas abandonné son côté d'employé. Non. Il reste employé aujourd'hui, et il fait du chiffre dans son activité secondaire. Donc il emploie les gens dans son activité. Est-ce que dans son niveau, on va pouvoir avoir le même rendement de travail? Est-ce qu'on va avoir le même rendement de travail? Oui, rendement, parce que si par exemple je suis employé pour être, je ne sais pas, secrétaire à la direction, et qu'il m'arrive aussi
d'avoir mon activité personnelle que je mène. Par exemple, si pas que j'ai à chaque fois vérifié si mes poulets sont à place, j'ai vérifié si tout va bien. Ça, c'est une question très pertinente. Vous voyez, les grands entrepreneurs sont généralement des consultants dans les entreprises. Généralement. C'est-à-dire que sur 10 entrepreneurs, vous allez rencontrer 8 qui sont, en plus d'être employés dans leurs entreprises propres, ils sont consultants dans d'autres entreprises. Vous croyez que cela ne produise pas du rendement, du réel rendement dans les entreprises où ils sont consultants ou encore dans leurs propres entreprises? C'est complètement différent. Tout dépend à la base de l'organisation qu'on se fait. C'est vrai que quand on parle d'organisation, dans la pratique, on voit autre chose. Mais la réalité, c'est que la base de tout cela, c'est l'organisation. Je dis, je m'organise comment? Puisque j'ai 12 heures de temps, par exemple, par jour, et que partant de 6 heures, 18 heures, j'ai 12 heures de temps par jour. En dehors de ces 12 heures de temps, je peux grignoter combien d'heures après. C'est-à-dire que mon temps de travail ordinaire, c'est de 6 heures à 18 heures. À côté de 6 heures à 18 heures, je peux prendre combien dans la nuit? Ouais. Je peux par exemple avoir 4 heures de temps dans la nuit, que de 18h à 22h, je peux continuer de travailler. Là maintenant, vous vous organisez, vous savez que de 8h à 16h, je suis dans l'entreprise où je travaille. De 16h à 17h30, je me repose. De 17h30 à 22h, je suis au travail. Ouais. Tout dépend à la base de l'organisation que vous faites. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous garantir, je suis un consultant dans 3 ans. Consultant dans 3 entreprises essentielles. Pourquoi donner d'autres noms, Oui, je préfère ne pas donner. C'est quand même compliqué. Vous savez pourquoi est-ce que je peux ne pas donner de troisième nom? Donc, et dans ces entreprises, je donne le meilleur de moi pour qu'elles puissent avancer. Et que je peux choisir, par exemple, de travailler les week-ends. Quand je peux choisir de travailler, par mes heures de pensée. La réalité, c'est que le plus important, c'est la stratégie de travail. Le rendement peut même parfois être plus intéressant dans l'entreprise où on travaille, où on est salarié, que dans où on est salarié principal, que dans l'entreprise qu'on est en train de mettre sur pied. Ou encore, on peut être plus productif désormais dans notre entreprise première. Parce qu'en fait, on comprend certains enjeux qu'étant simplement employé, on ne comprenait pas à la base. Parce que ce que je dis généralement, c'est que l'employeur ordinaire comme moi, il pense beaucoup plus à son salaire à la base. Maintenant, il faut décrire certaines activités pour comprendre qu'en fait, à côté du salaire, il y a des éléments qui peuvent s'y associer, qui peuvent s'accumuler. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui fait des livrages, qui se frotte naturellement dans l'entrepreneuriat. Quand il doit utiliser un produit de son entreprise, en fait, l'entreprise dans laquelle il a été salarié, il prend du soin de bien utiliser parce qu'il comprend forcément comment est-ce que la chaîne se passe. Qu'est-ce que son employeur fait? Quels sont les défis à relever? Parce qu'il a une expérience en termes de création de richesse dans sa propre activité. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on entend Fab Consulting, on entend Forum du jeune entrepreneur. Est-ce qu'on est parti de bonne vue avec cette idée? Il faut déjà dire que pas mieux, c'est mon village. Non, il fallait faire cette précision. Bon, c'est important de le dire. Oui, bon, quand je dis parti de Bamingu avec cette idée, on va comprendre que c'est là que tout commence. Oui, parti de Bamingu, c'est mon village natal. Oui. Parti de là avec cette idée. Non, je suis parti de là avec l'idée de me faire former, devenir quelqu'un plus tard. Parce qu'en fait, c'est la logique standard pour presque tous les jeunes. Me faire former, devenir quelqu'un. Devenir employé, je suis passé par l'initiative de Kikan, l'université de Chang, l'institut supérieur polytechnique. Et donc, je me suis retrouvé à Douala, après Kribi, je me suis retrouvé à Douala. À la base, en fait, la première structure que j'ai mise sur pied, c'était en 2014. La toute première structure que j'ai mise sur pied, c'était en 2014, l'établissement PED. Petit Eric Décor et Frères. C'est la toute première entreprise en fait que j'ai mis chez lui. Les choses n'ont pas fonctionné, mais je
voulais parce qu'à l'époque j'étais en même temps étudiant. Mmh. Donc les choses n'ont pas réellement fonctionné comme je voulais. On a fermé les portes, donc j'ai fermé les portes avec. Il n'y a pas trop de moyens de la politique. Oui, c'est avec qui je bossais. Et je suis revenu dans ce couloir en fin d'année 2017. Le samedi 24 avril, à partir de 16h, avec le Paris. Ok, ce fut un très grand plaisir. On reste concentré. Mesdames et messieurs, ce fut un très grand plaisir d'être avec le PDG de FAC Consulting. Nous sommes parvenus naturellement au terme de cet entretien très...